Hey, salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Black Ops 3. Et aujourd'hui on va se faire un petit gameplay avec les armes que j'ai débloquées dernièrement au marché noir. Aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement, non pas aux spécialistes, on s'en tape, mais on va s'intéresser de plus près aux points américains. Voilà, j'avais envie de tester, cette classe, cette arme là. Bon, ça va être un petit peu comme le couteau, hein, va falloir bourriner au corps à corps, mettre des grandes patates de foin pour réussir le coup. Mais je pense que ça peut être très drôle. Alors au niveau de la présentation de la classe, en fait c'est ma classe type couteau, on va dire, hein, de corps à corps en général. Donc là j'ai la hache de combat, une flash, je me mets avec surcadençage étant donné que je suis avec le camouflage actif du spectre, donc pour que je puisse obtenir mon invisibilité plus rapidement. Je suis en fantôme bien sûr pour rester indétectable au drone, donc pillard pour pouvoir me rester approvisionné en permanence en hache de combat et en flash, écoute et silence de mort. Je me demande même d'ailleurs si écoute je vais pas le virer pour mettre impulsion furtive à la place. Et si à la place de surcadençage, je vais pas mettre 6ème sens. Ah, écoutez, on va rester comme ça pour l'instant. On va pas chercher midi à 14h. Je vais rester avec cette classe là. Pour ce faire, on va aller dans les modes de. Qu'est-ce qu'on va se faire? Une petite élimination confirmée. Attends, j'ai quoi en série de points? Donc je suis en drone Cerberus Hater. Et ben, on va rester comme ça. Sauf que non, je vais jouer en non létal. Donc voilà, je vais me mettre le drone de brouillage. J'aurais peut-être pu mettre le noyau énergétique aussi. Non, je vais rester comme ça. Et on va se faire. Bon, allez, on va se faire un petit MME, hein? Si vous en dites. On va se faire un petit truc comme ça, classique, bien comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Rise ou Stronghold. C'est que l'une comme l'autre pour jouer au point, ça va pas être simple à faire. Attends, on va voter top secret quand même, on va se rebeller un peu là-dessus. Ouais, parce que je pense que l'un comme l'autre, Rise surtout, c'est une grande map. Bon, je verrai en fonction du choix de map, mais bon, si c'est Rise ou Stronghold, je vous dis tout de suite, je la quitte, on en prend une autre. Surtout que là, je pense que ça va être pour vous l'occasion de bien vous foutre de ma gueule. Parce qu'il y a un petit moment que j'ai pas joué avec une arme de corps à corps, bien que j'avais une classe couteau prête à faire feu. On va sur Rise, c'est pas la peine, je me casse. Alors... C'est pas que je veux pas vous montrer cette nouvelle map, mais clairement, vu la taille de la map, ça va pas être jouable. Ça va être très 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 compliqué, je vous le cacherai pas. Bon, de la MME en simple, vous allez pas me faire croire qu'il y a personne? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, et ben tant pis, puisque vous voulez pas, on va se lancer d'élimination confirmée, hein, s'il y a que ça. Non mais est-ce que c'est une blague? Ah je préfère. Je commence à me dire, ça y est, je me fais troller. Ah bah on va sur Skyjack. Là, là, voilà, là, parfait. Ça c'est la map pour pouvoir jouer au corps à corps. C'est très très bien. Alors j'espère que la partie n'est pas à 5 points de se finir. Comme c'est très souvent le cas. Lorsqu'on rejoint une partie en cours. Hein? Voilà. Allez. Bon, je pense qu'avec le camouflage optique, ça va pouvoir le faire. Élimination confirmée. Non, ça va, c'est pas trop avancé. Oh, ok. Merde. Il est plus là. Bon, ok. Je me suis pas trop senti de le tenter, lui. HCXD ennemi dans votre secteur. Tiens! Grande patate dans ta gueule! Oh merde, je voulais faire un glissade, je me suis fail! J'aurais dû jeter ma hache de combat. Oh, n'importe quoi. Hop, un petit wallbang, non, y'a rien. Oh, l'enfoiré, le tout m'a découpé en deux avec son épée, quoi! Bam, 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 bam! Allez, vas-y, que ça bourrine nos dracons! Tiens! Avec ton épée, ce que j'en fais, moi! Non, mais! Oh, je l'ai raté! Tiens, toi, je t'ai eu, par contre. Système furtif en service.
Ouais, j'ai mon camouflage. Vite, un petit pillard là. Merci. Hop, on va se foutre en fufu. Bim, je me suis auto-clashé. Ah, j'ai loupé ma hache, dommage. Bon, une petite sanguinaire au corps à corps, c'est impeccable. Allez, drone de brouillage, allons-y. Il y en a un juste là. Oh, l'enfoiré. Ah, d'accord. Le mec, c'est soit l'épée, soit le lance-flamme, quoi. C'est... Allez, allez, on continue, on est bon là, on est bon. On va passer par les souterrains. Hop. Bon, on est pas mal là, pour l'instant. C'est pas une performance extraordinaire, mais bon, au moins on n'est pas les victimes du quartier, quoi. Oh non, je me suis fail. Ah, dommage, je pouvais me faire la triple au point américain, quoi. Ça aurait été trop chouette. Bon, l'âge de combat qui a servi à rien. Bim. Il y en a un là. Drone de brouillage en approche. Tiens. Rapace allié en approche. Bim, au revoir. Lui, j'ai pas compris ce qu'il a fait, il a bugué complètement. Merde, je me suis loupé. Ils m'ont pas vu. Oui, la triple. La triple au coup de poing, mon pote. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui est bon. Allez. Triple patate de foin, les petits lapins. Qu'est-ce que vous en dites de ça, hein? Drone détruit. Ah merde, il y en a un qui surveille, dommage. En même temps, j'ai complètement failli ma grenade, c'est dommage. Allez, on repasse par les souterrains et on va leur apprendre un petit peu comment ça se passe là. Le drone quitte la zone. Télé. En plus, j'ai bientôt mon camouflage. Ils ont un gardien. Un drone, je m'en fous, je suis fantôme. Il y a du pire dans tous les sens. Hop là, petite hache de combat qui fait plaise. Hop, on va se camoufler. Hop. Attention, HCXD ennemi repéré. Ça pue là, ça pue, y'en a un qui campe là à l'entrée, l'enfoiré. Ah. Hop. On va se casser. Là, pour l'instant on s'en sort pas trop mal. Oh, le gardien il est là. Je crois bien qu'il est là, le gardien. Drone ennemi en approche. Ah non, je croyais, mais il doit être pas être loin au-dessus. Il n'y a pas de médaille pour les deuxièmes. Écrasez-les. HCXD ennemi dans votre secteur. Ah, drone. Donnez-moi un visuel. À l'étage. Ah, les enculés. Ah, putain, avec leur... Le mec, il a foutu son gardien pour se couvrir le cul, quoi. Non, mais sans blague. Alors, passe par le souterrain. C'est parti, mon kiki. C'est parti. Énergie du drone à 5%. Retour à la base. On va partir à l'étage, que ça doit bien campouiller là-haut. Tiens, ah, je m'en doutais. Drone de brouillage demandé. Qu'est-ce qu'ils sont? J'entends que ça marche. Il y a un moment que j'ai pas récupéré de pierre. Hein. Ça commence à me manquer un peu d'ailleurs. Bon, bah, on a gagné. Eh, 18-6 au point américain, les gars, c'est pas bon ça? Eh, c'est un gros délire en fait, qu'est-ce qu'on se marre. Alors, fout des grandes patates dans la gueule. Aime bien, c'est marrant ça. J'aime bien ce genre de truc. Et comme je vous disais, Skyjack, c'est la map rêvée pour jouer avec ça. C'est un kiff quoi, les points américains, mais c'est génial. Vous vous êtes bien battu.
Excellent. En plus, les petites haches de combat qui sont bien passées quand elles avaient le temps. Voilà. Les petites flashs qui ont rendu bien service. Allez, impeccable. Avec la super tenue de mon Spectre en plus. Franchement, ça fait bien plaisir. Bien, bien, bien plaisir. Ouais, là, je dois quand même dire, je vais pas trop me la jouer, mais je suis fier de moi. Je suis quand même assez fier de moi. Vous voyez, je me suis amélioré au couteau quand même. Enfin, au couteau, au corps à corps en général. C'est pour ça que je voulais l'épée, moi. Putain, je voulais l'épée dans les colis. Mais non, mais pas. J'ai pas vu, j'en ai marre. En plus, moi, je peux faire. Voilà. En plus de ça, je suis contre un mec qui a une épée, quoi. Donc, c'est pas vrai. Le mec, il me fait deux frags ou trois sur la gueule avec son épée. Y a pas de justice. Y a pas de justice. Voilà. Bon. Eh ben, écoutez, c'est pas mal tout ça. On a bien, bien progressé. Bon, après, vous voyez, Splash, par contre. Splash à l'épée, au corps à corps en général, non merci, salut. Alors je vais juste vérifier par contre, hop, la classe point américain, personnalisé, camouflage, tac, ouais, donc j'ai fait 16 éliminations sur 20, puis il faut en faire 200 je présume, ouais c'est ça. Ok, bon bah y a du boulot, il y a du boulot, donc je vais continuer avec les points américains, et puis de toute façon, j'ai vu au fait, merci beaucoup à toi cher abonné qui m'a laissé dans les commentaires la réponse à ma question, en me précisant, j'avais posé la question lors d'une dernière vidéo, justement lors de l'ouverture des colis, j'avais demandé, est-ce que les armes bonus comptent pour le Dark Matter? Et il m'a été répondu que non, la manière dont moi je l'ai compris, c'est qu'en fait, seules les armes présentes au début dans le jeu comptent pour le Dark Matter, chacune des armes supplémentaires dispose de son propre camouflage diamant, qui peut évidemment évoluer en Dark Matter une fois celui-ci débloqué, mais par contre, ces camouflages-là sont indépendants aux armes bonus, seules les armes présentes à la base dans le jeu comptent pour le Dark Matter, donc là j'ai déjà les SMG, les fusils d'assaut en or, donc il va me rester encore deux pompes à mettre en or. Il va me rester trois snipes, un lance-boule, tous les pistolets et le couteau. Donc il y a encore du taf, mais je me dis que c'est pas si long que ça. En fait, je crois bien qu'avec les SMG, les fusils d'assaut, je crois que j'ai fait le plus dur. Après, il y a les mitrailleuses lourdes, mais bon. Bon, je verrai bien. En tout cas, merci pour ta réponse. Merci beaucoup. Ça m'éclaire énormément. J'avais un gros doute. J'aurais trouvé en effet pas très fair play de la part de Treyarch si effectivement il fallait absolument terminer le diamant sur les nouvelles armes bonus, puisque c'est vraiment un petit bonheur à la chance. Là, les armes bonus, on les a pas systématiquement dans chaque colis. Et si les armes bonus devaient compter par le Dark Matter, ben dans ce cas-là, ça aurait vraiment pas été très fair play. Ça aurait été plus un obstacle. Et là, pour le coup, ça aurait fait gueuler du monde. Donc, merci beaucoup à toi qui m'a apporté cette réponse. Voilà. En tout cas, par cette vidéo, elle touche à sa fin. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager dans les commentaires. Également, la prochaine vidéo que je vous ferai sera également avec une seconde arme bonus, puisque là on partira directement sur la Enix Shadowclaw. J'ai eu l'occasion déjà de faire quelques frags de test, on va dire, avec contre les bots. Et ben bordel, elle est pas simple à manier. C'est du sport, hein. Je pense que je vais pas rigoler autant qu'avec les points américains. Mais bon, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous l'ai déjà dit il y a 2 minutes, il me semble ça. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est pas bien. Vous avez passé la trentaine, au bout d'un moment, ça va plus très bien. Hein. Bon, enfin, bref. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à très, très bientôt. Allez, ciao tout le monde.